Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, le jeu qui bug comme ça. Au moment où tu dis que mon jeu plante, il y a Firefox qui se met à bugger aussi. Non, ça va pas le faire si tu t'affiches pas, donc affiche-toi. Merci. Voilà. On repart pour une nouvelle partie, hein. Tant qu'on y est, j'ai que ça à foutre de ma vie. Un peu quand même, hein. Oui, c'est vrai. Ah, ça va, je suis tombé à moins de 2% de frame loss. 65 années durant, j'ai été empereur. Et j'ai suché des bites. Vous en doutez même pas à quel point. Donc, hop, et hop là. C'est ça, t'as vu les portes de mon cul. Quel chanceux. Hop, ici je baisse l'âge. Et les cheveux. Hop, hop, hop. Ok. Cela doit vous briser le cœur, hein. Être si près de l'eau et savoir que vous ne nagerez plus jamais. Vous savez, parfois, quand ils vous laissent sortir dans la cour, on entend les bruits du lac, les bateaux, les mouettes. Allez, 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 grouille-toi. Allez, saute. Allez, saute. Saute, ma salope. Vous entendez ça? Les gardes arrivent pour vous. Rire maléfique. C'est le rire maléfique de la table de Botchamania. Ouais, d'une certaine façon. Non, ils sont morts. Je le sais. Ma mission pour le moment est de vous mettre à l'abri. Que fait ce prisonnier ici? Cette cellule. Bon, bah, j'y arrive pas. Normalement, je suis censé pouvoir l'attaquer et passer le début de la scène. Mais ça ne marche pas, donc. Ne bougez pas, prisonnier. Bien, allons-y. Nous n'en sommes pas encore sortis. Faudrait que je m'achète une pédale MIDI quand même. Pour pouvoir lancer et arrêter mon. C'est quoi la pédale? Oui, je sais. C'est pour ça que t'es mon père. Nous devons continuer à avancer. Tel père, tel fils, comme on dit, hein. Tout à fait. Mieux vaut ne pas fermer celle-ci. Il n'est pas possible de les faire. Allez, allez, bouge, bouge ton cul. Oui, tout à fait, Ben. Tout à fait. Oui, tel père, tel fils. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, on enlève ici. Les sandales, les menottes, et hop, on met ça en 2, 3, hop, et donc 2. Une pédale MIDI pour lancer et arrêter mon W-Split. C'est dont servent les streamers, je sais que AM, le gars de No Life, utilise ça. J'aime bien le capitaine est mort, mais comment elle a fait? Comment elle fait pour crever cette conne? C'est un bot. Mais quand même! Ça doit être un bot, faut être con là. Ouais, mais c'est un bot. Ah, je les attends, je les tue. Mais, ah, le capitaine est mort! Mais comment tu fais? Je passe devant en route. Je passe devant en route. Le défourailleur de rats. Hop, ici je récupère le caméléon, la clé. Coucou Nugget!
T'as vu, papa, y'a maman qui est arrivée. C'est ça le zombie. C'est Bub le zombie. Ma marraine? Depuis quand c'est ma marraine? Hey, on frappe pas les gens, on a dit, bordel! Non mais d'où qu'il me frappe, quoi? Allez. Non, non, non! Putain, elles veulent que mon parrain soit Sheamus, quoi. Mais la honte! Putain, t'imagines avoir Sheamus comme parrain. C'est un peu la loose, non? Ah, c'est complètement la loose, oui. Ah ouais, mais merde, là, je vais plus avoir assez pour... Hop. 2. Et... Ne bouge pas. Vous n'avez pas assez de magie. Bien sûr. Voilà. C'est ça qu'il me fallait. C'est un peu beaucoup la loose, hein, franchement. On devrait trouver un point défendable et protéger l'empereur en attendant de l'aide. De l'aide? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle arrivera avant que d'autres canaliers soient là? T'es mort. Il faut sortir l'empereur. Toi, t'es mort. Bon sang, c'est encore le prisonnier. Tue-le! Il travaille peut-être avec les assassins. Non. Il n'est pas des leurs. Il peut nous aider. Il le faut. Ils ne peuvent pas. Ça c'est marrant parce que du coup tu me fais les dialogues en avance en fait. Ah ouais? Ah bah oui, toi tu les as en avance, oui. Bah, je regarde sur le stream sauf que j'ai coupé le son donc j'ai toi qui parle. Toi, les dialogues, genre, tenez, après, quoi. Prenez cette torche. Ne vous éloignez pas. Laissez-nous faire notre travail. Allez. Merci. Merci. Non mais bordel! Toi tout est mort. Par le sang des vieux. Mais pourquoi il parle des vieux, ce con? Ah, normalement il dit par le sang des dieux, mais par le sang des vieux c'est beaucoup plus classe. Non, faut pas acheter des dragées pour le baptême. Faut acheter des amandes. Comment tu comprends le cher? Bah ouais, mais j'ai plus beaucoup de magie. Voilà, merci. Dès qu'il se retourne en fait, là, ça peut se... Never forget. Je te le jure. Ici, ce qui est très drôle, c'est qu'on peut pousser Glenroy. Il suffit juste de se placer derrière lui et d'avancer avant lui. Et comme ça, il se bouge. Allez, bouge. Allez. Je n'oublierai jamais ce mois de juillet. Je te le jure, never forget. La porte est barrée de l'autre côté. C'est un piège. Et ce passage là derrière, ça vaut le coup d'essayer. Allons-y. Ah, j'espère que je vous ai quand même bien niqué les tympans. Non. Enfin, pas à vous, mais à eux. Ceux qui ont les tympans fragiles, surtout maman. Tout à fait. C'est une voie sans issue. Quels sont vos ordres, monsieur? Ils sont derrière nous. Pourquoi t'as rallumé le son, toi? Défendez-le au péril de votre... Pour les la... Pour sa vengeance. Hop, allez. Allez.
Allez. Allez, parle-moi. Meurs, meurs, meurs. Voilà, t'es mort. C'est ça, votre santé est faible, ta gueule. Ce qui est bien, c'est que votre santé est faible alors que t'es à facilement 99% de vie. Talos nous vient en aide. Allez. Classe perso, donc combat, ok. Force, rapidité, ok. Acrobatie, athlétisme, arms, attaque sans armes, destruction, discrétion, guérison, lame, ok. Nom de la classe, PGM, ok. Oui, voulez-vous être un PGM? Bien entendu. Vraiment? Et tu sais, Nayette, quitte à être jeté en pâture avec quelqu'un, autant que ce soit Punk ou comment il s'appelle, ou Lesnar, hein. Ah, d'ailleurs, j'ai vu, hein. En fait, hein, c'est le principe. Mais justement, ok, oui. Fail. Rejoindre la sortie des égouts. Bah écoute, avec Lesnar, je souffrirais assez, je pense. Oh. Ouais. Tu peux pas dire le contraire. Le Gratkali. Non mais attends, c'est un bouffon lui. C'est pas un catcheur. Je te parle pas de suite. J'aurais quand même plus peur du Gratkali que le Lesnar au niveau physique, hein. Je m'excuserai, mais. Ouf, je sais pas. Celui qui me ferait vraiment, vraiment peur, je pense, c'est Kane. Parce qu'apparemment, il est assez. C'est un des plus puissants là-bas, hein. Ouais, apparemment il est tout doux. Comme un petit poney. Oui. Mon petit poney. Mon petit poney. Numéro 32. Numéro 32. Non, mais d'ailleurs, moi j'ai vu la fameuse coupure de Punk. La fameuse coupure de Punk à Money in the Bank. Soit disant qu'il a eu le crâne éclaté, tout ça. Oui, oui. Mais c'est du pipi de chat. Non, mais maintenant, dès qu'on voit du sang sur un écran de la WWE... Non, mais c'est Nayette qui me disait ça. Oh mon dieu, il était tout blanc, machin. Bah non, enfin, il a saigné un tout petit peu, quoi. Il y avait rien de... Sincèrement, moi j'ai regardé... En fait, c'est en y repensant... J'y repensais hier, justement, quand j'ai re-regardé Money in the Bank juste pour m'éclater. Puis je me suis fait, ah ouais, pareil qu'il a pissé le sang à ce moment-là. Et en fait, j'ai regardé, il y a quoi? Il y a 3 gouttes, quoi. Il a juste le crâne un tout petit peu ouvert, et puis... Non, je suis pas un blasé de la vie, mais c'est juste que je connais le catch, donc si tu veux, les coups de... Oh mon dieu, il est en sang. Putain... Pierrick, tu te souviens de comment? De attention. C'est ça, ta gueule. Oui, vas-y, ça va revenir. Ric Flair contre Edge en TLC. Non, ça te dit Ric Flair contre Edge en TLC. Ah oui. Ça, je suis désolé, mais ça, c'était du saignement, ça. Oui, oui, oui. C'est simple, le mec il a perdu 3 litres. Eddie Guerrero contre JBL. Oui, oui. Il y avait aussi. Toujours Eddie. Non, si, c'était pas Eddie. Non, c'était JBL contre Big Show. Dans un cage. Un cage barbed wire match. Ils avaient en fait fait un match en cage. Et sur tout le haut de la cage, il y avait du fil de fer barbelé. Et c'était pour le championnat WWE de l'époque. Et je me souviens que JBL s'était mangé les barbelés dans la gueule et tout. Il avait fini en sang. What the fuck?
mon dieu! Ah putain, j'ai resté un moment. C'est énorme. C'est magnifique. Je suis possédé. Yanis qui nous dit tectonique. Je suis désolé mais il faut rester un moment à regarder ça. Et il bouge tellement je peux même pas le toucher quoi. On va mourir. Voilà. Il continue à bouger hein. Moi je reviens, je fais un petit reboot. Tu fais un petit reboot, qu'as-tu fait pour avoir besoin de faire un petit reboot? J'ai installé un jeu. Ouais, tu m'as du porno hein, à vous, espèce de gros porc. Non, je voulais faire un jeu de course de moto et en fait il faut que je reboot, donc du coup je reboot. Ça c'est du fail. Je reviens, à tout de suite. Vas-y, casse-toi. Bon, je croyais que tu rebootais là. Oui, bah attends, deux secondes, j'envoie un message, hein. Ouais, ouais, envoie un message à ton amoureuse, va. Oh, tu touches my tralala. My ding ding dong. Je reboot, tout de suite. Ouais, vas-y, voilà, casse-toi. Ouais, tout à fait. Le rat, c'est wouhou. Je suis frère Joe. Le... Le... Les... Ne perdez pas de temps. Vous devez trouver Martin avant l'ennemi. Voilà, hop, on va repartir à Skingrad. Vous voyez que j'ai géré quand même. Là, je suis désolé, mais j'ai géré le... J'ai géré Umbra, là. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai géré. Je suis content de moi. Hop, ici je pars par là. Allez. Pourquoi est-ce que tu me fais passer par là? Voilà. Par ici où j'aurais dû passer, mais c'est pas grave. Bref, allez, dépêche-toi. Ah, d'ailleurs, hop, on va faire. Tout petit ici. Comme ça, je suis plus léger. En fait, dans ce jeu, lâcher des objets, c'est comme faire caca. On devient plus léger d'un coup. C'est toujours magique. Allez, le jeu. Voilà, maintenant que Pete et, que maintenant que Pétochou est parti, vous avez droit au retour des musiques épiques. Epic! Epic! Je m'en fous du sanctuaire de Meridia. Pourquoi est-ce que j'ai toujours pas trouvé le... Je devrais l'avoir trouvé. Il est... Ah voilà, ça c'est fait. Pourquoi est-ce que je n'ai pas trouvé le... Bon, c'est pas grave, on va... J'étais censé partir vers où? Vers l'ouest, bah c'est ce que j'ai fait. C'est très bizarre là. D'accord, bon bah écoutez, j'ai dévié un peu de ma trajectoire. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Vous avez trouvé Miss 40? Ah bon, c'est vrai, j'avais pas remarqué, connard. Mais non, je disais que lâcher un objet, c'était comme de faire caca.
Lâcher un objet, c'est comme faire caca. Plus on en lâche, plus on devient léger. Plus on va vite. Ta mère. Wow. Donc, on croirait des cris de chimpanzés. Les gobelins sont en fait des chimpanzés. Donc le gobelin royal de suprématie suprême. T'es mort. T'es mort. Non, t'es pas mort, mais meurs. Voilà. Y'a quelqu'un d'autre? Bah t'es mort. Quelqu'un d'autre encore? Oui, je t'entends. Tu sais que je peux t'entendre. T'es mort. Non, oh. Sérieux? T'en as encore? Bah écoutez, je ne sais pas où ils sont. Ils vont aller se faire foutre. Mais voilà, c'est né. C'est des chimpanzés couverts de crème. J'aime bien mettre de la crème sur le visage. Que ma peau respire le soleil et la santé. J'aime bien mettre de la crème sur le visage. Voilà. Ceux qui connaissent cette chanson, vous êtes des dieux. Ceux qui ne la connaissent pas, et ben, vous êtes des grosses merdes. Voilà, alors oui, si je me trompe. Entre mettre la console du développeur qui me permet d'avoir le God Mode et le fait d'enlever Umbra, ça a pas le fait. Je te casse la gueule à la main, petit fils de pute. Je te rends ouf, je casse des zombies moi. Allez hop. File-moi la clé, merci. Wesh, la racaille des catacombes. Je préfère m'assurer qu'ils soient bien morts. Enfin, c'est des zombies donc ça n'a aucun sens, mais je préfère m'assurer de bien les tuer avant d'y aller, parce que se faire avoir par un zombie à la sortie, je vous jure que c'est pas du tout ce que vous voulez dans votre jeu. Allez, hop, sort. Putain, il faut que j'arrête d'activer cette putain de... console des développeurs. Elle ne sert à rien. Enfin si, elle sert à lancer le God Mode et plein de trucs. Mais sinon, ça ne sert à rien. Wesh, ça va devenir vrai dans cette pièce dans quelques instants. Tac, tac. Allez, on monte. Allez, on monte. Allez, petit dain. Allez, petit dahu. Je suis un dahu. Mais par contre, je sais pas ce que c'est le cri du dahu, donc je vais juste faire dahu dahu. Si ça vous dérange pas. Mais de toute façon, ça vous dérangera pas parce que vous êtes tous mes petites putes. Donc ça ne vous dérangera pas. Oui, oui, voilà, t'entends.
Quoi, tourette? Non, j'ai pas tourette. Shut kid boy! Attendez deux secondes. Re grosse ta fiole. Re ma petite pute. Comment tu vas? Ou bah ça va, t'inquiète pas. Ah ça va, t'inquiète, t'inquiète. Je te dis trois putes. Qu'il est con. D'accord, alors mon sort de son a juste disparu. Comme ça. Allez, c'est parti. Oh, c'est passé pas loin celui-là. Ouh, tu commences à me les briser, toi. Qui, moi? Mais j'ai rien fait, papa. Mais non, pas toi. Ne me frappe pas, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit de plus me frapper. Chut, tais-toi. Mon antivirus qui me casse les couilles avec un putain de fichier DLL, ça commence à me les briser. Ah mais ça arrive ça. Ça arrive même beaucoup trop souvent. Merde, c'est vrai qu'il y a ces putains de plantes là. Là. Voilà. Deux. Ça, toi je te crame ta race. Ah ouais, t'es comme ça. Toi je te crame ta race aussi. Alors ce qui est marrant c'est que t'avais un mec en armure là, je sais plus comment il s'appelle, les Dédras. Qui était en train de flécher un galopin qui lui-même était en train de cramer le Dédra. Ça a fait une genre de boucle infinie, tu sais, genre. Et du coup, j'ai pu les. Ouais, t'as vu. Ça fait boucle infinie dans ta gueule. Ah merde. Non, mais si... par contre, si vous êtes deux à m'attendre ici, ça va pas le faire. Donc hop, je vous tue rapidement. Sauf qu'en fait, c'est là. Voilà, je suis le mec le plus con de l'univers. Je tiens ça de mon père. Je vais dire, tu diras merci à ta mère, mais chacun son truc. Oh. Non, ma maman, elle m'a donné l'amour du jeu de rôle. Ce que toi, t'as jamais su faire, père indigne. Non. Alors que je joue au jeu de rôle quand même. Hein. Faut... Oui, mais non. Non, parce que maman, elle est mieux que toi d'abord. Mais bien sûr. Maman, elle a des boobs et toi t'en as pas. Et alors? Bah et alors, du coup, maman, elle est mieux que toi. Moi, j'ai une grosse bite. Ça, c'est faux, ça. Sinon, j'en aurais hérité aussi. Mais non. Bah écoute, je demanderai à maman. Maman, est-ce que papa, il a un gros pénis? Non, mais... Mais on s'est pas touché avec la mère, tu veux savoir. Il me remarque pas, hein! Je suis la panthère rose! Tadam, tadam, tudum. T'es mort! Alors je suis désolé, je sais pas trop ce que ça dit sur le chat en ce moment. Mais je vais bientôt remédier à ce problème. Regarde, je te nique ta mère, je suis un boxeur. Coucou. C'était pas mal ça. Je reprends un peu de vie parce que c'est pas que j'en ai plus beaucoup, mais j'en ai plus beaucoup. Hop. Et bouge, je vais te coincer, gros tas de merde. Ah! Fail souris. Alors je sais pas trop ce que ça dit sur le chat. Hop, j'en prends une. Hop, j'en prends deux.
Spoumf. Petit PD. Ça, c'est vraiment PD. Non, t'es mort, papa. Non, non, je suis toujours là, c'est que je suis concentré sur un truc, là. Ouais, c'est ça. Arrête de mater, maman. Je t'ai dit que j'avais pas envie de savoir ça. Tu le fais bien avec ta sœur. Non, non, mais non, mais stop, là. Viens là, toi. Oh, vous attaquez pas au Dédra, vous allez mourir. Putain, mais casse-toi de là. Tu vois, lui, je lui dis pas merci. Parce que, principalement, il est con comme ses pieds. Alors, où es-tu? Voilà, hop, je vais parler. Donc, maintenant, je peux aller chercher Martin. Ce que je n'ai pas fait la dernière fois, ce qui m'a bien fait chier. Non, parce qu'en fait je vais pas parler au mec la dernière fois, du coup j'ai chopé Martin, je suis sorti, je suis allé au prieuré de Wynon. Hop, tu es là, Martin. Voilà, donc là tu me suis. Oh, mais bouge toi le cul un peu, bordel. Hop, je retourne au prieuré de Wynon, qui est ici. Si je te dis que j'y vais, c'est que oui, je veux pas cliquer sur un endroit au hasard dans la carte, du con. Oh là là, mais qui est con ce jeu des fois. Voilà, donc les prieurés sous attaque. Non mais... Je m'en fous. Je m'en fous. Quelle violence! Parce que je mets un coup d'épée à un mec. T'es mort. Hop. Ici. T'es mort. T'es mort. Voilà. Hop, allez. Ça va être marrant. Non, pas ici, bordel. Quittez. Hop. Où est Joffre? Putain, où est-ce que tu... Mais où est-ce que tu vas, vieux con de mes couilles? Putain, je vais le tuer, ce PNJ, je vais le tuer. Voilà. La mienne a disparu. J'ai trouvé Martin. Bla 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 bla. Putain qu'il est con ce PNJ. Hop, donc là je dois aller au temple des nuages, c'est ça. Hop, go check for amulet. Ok, page 1 du speedrun fini. Donc il me reste 2 pages. Ça va bien me faire chier, mais j'ai pas le choix. N'empêche, je vais plus loin dans le speedrun que je ne suis jamais allé. C'est la première fois que j'arrive ici. Hop, donc. Allez, grouille, grouille, grouille. Hop, la porte. Comme ça, je vais à Bruma. Oui. Hop. Sauvegarde, non, jamais. Voilà, et là, normalement... Et voilà, le discours est fini. C'est pas magique quand même. Mais je t'avoue que je suis pas en train de regarder moi personnellement. Donc, Hop, rejoindre les lames.
c'est ça, oui. Et je vais me joindre là. Voilà. Donc je vais ici au jardin elfique. Où est-ce qu'ils sont les jardins elfiques déjà? Voilà, quartier des jardins elfiques. Non, je ne sauvegarderai pas. C'est un speedrun. Le but, c'est de faire le jeu le plus rapidement possible. Et je suis déjà à 34 minutes. Oui, c'est ça, une petite pièce. Mais une petite pièce dans mon cul. Voilà. Ici. Donc là, normalement, je me mets là. Je fais ça. Je vole le livre. Ok. Je me relève. Je lui poutre sa gueule. Tu es mort. Voilà. Donc. Hop. Maintenant, je me casse. L'université Arcane. Parler à l'argonien. Ok. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Mais. Ah, normalement, je suis censé. Quoi? Mais bordel de merde, mais non! Oui! Mais non, putain! Vas-y, putain! Quoi? Pourquoi il y a des zombies dans la ville? C'est des zombies gardes! Quoi? What the fuck? Oui. Bon, bah, je me suis fait niquer sur ce coup-là. Je vais essayer d'être plus discret la prochaine fois, mais bon, c'est pas grave. Il faut toujours que je monte de niveau, moi. Alors, normalement, j'étais pas censé me faire attaquer par les gardes. Hein, Donc, What? Mais j'ai toujours le livre. Attends, dis-moi que j'ai toujours le livre. Bah bravo. Ils m'ont enlevé le livre. Oh, comment j'y crois pas. Comment j'y crois pas. Ils m'ont enlevé le livre, les fils de pute. Comment j'y crois pas. What the fuck. Mes enfants meurent de faim, je vous en prie. Ouais, bah ta gueule, vieux clodo de merde. Bon, alors. Comment tu fais pour prendre un sujet? Je récupère un peu d'or, ça fait jamais de mal. Mais je peux pas aller voir la meuf si j'ai pas le bouquin. Ça sert juste à rien. Oh, ce fail, je vous jure. Qu'est-ce qui s'est passé? À moins que ce soit une mise à jour de l'édition 5e anniversaire, mais c'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé avant. Voilà. Non, mais sérieux, c'est en train de les briser, là. Hop, je suis désolé, je vais regarder rapidement mon... mes fiches parce que je ne connais pas les parties 2 et 3. Alors, hop, aller au marché récupérer les livres. Ok, donc quartier du marché, oui. Je sais plus ce qu'il faut lui dire. Si, si, voilà, si. Ok, comment est votre blanquette? Comment est votre blanquette? Non, non, mais je me souviens de ce qu'il faut faire. Hop. Voilà. Bonjour. Hop. Si je sors et je rentre. Monsieur Gouinas est ici. Voilà, allez, grouille-toi. Hop, commentaire volume 3. Voilà, au revoir. Donc là, je vais au jardin elfique. J'ai jamais fait cette partie, c'est magique quand même.
Je me rends compte à quel point j'allais lentement dans le jeu avant. Mais ça, c'était avant. Donc je descends dans les aigus. Oui. Allons dans les aigus, toi et moi. Oui, allons me promener tout nu dans les aigus. C'est les aigus du cul. Oui, tu t'y fiches. Allez, barrez-vous. Voilà, je vais beaucoup plus vite sans l'autre glandu. Non, parce que putain, quand t'as Borus avec toi dans la partie des égouts pour avancer, c'est un putain de calvaire. C'est juste pas humain, quoi. Tu m'étonnes. T'es mort. Ah ! Je me suis retrouvé bloqué derrière une porte. GG. Alors là. Je t'emmerde. Je t'emmerde cordialement. D'accord, donc en fait j'étais censé continuer. J'avais complètement zappé ce petit détail insignifiant. Hop, par là. Vous, je vous nique vos gueules. Regarde, je te nique, je te nique, je te nique. Voilà. Je. Oui, non, c'est en train de non. Non, toi non. Non, là, le jeu non, mais franchement pas du tout quoi. C'est non. Quoi non, qu'est-ce qu'il a le jeu? Non, c'est un jeu de simulation de course de moto et c'est super chiant à prendre en main, ça me casse les couilles. Bah, c'est de la simulation de course de moto quoi. Enfin, tu t'attendais à quoi? Un jeu super simple à contrôler avec des petits poneys dedans? Non, mais enfin, je veux dire, j'avais déjà joué à des jeux de trucs de moto comme ça, mais c'était pas aussi chiant à prendre en main quoi, c'était. Il y a une limite quoi. Non mais... Oh ce... Voilà, tu es mort. Est-ce qu'il y en a d'autres? Tu es mort. Il y en a d'autres? Non, parce que là j'aimerais bien attendre une heure. S'il vous plaît. Non. Non mais c'est limite ça. Tu es mort et c'était le dernier. Voilà, donc... Impossible d'attendre quand des ennemis sont proches. Putain, mais je leur ai tous niqué la gueule, bordel. Je crois... Ah, si, je crois savoir. Faut que j'entre. Et que je ressorte. Impossible d'attendre quand des ennemis sont proches. Attendre une heure. Fail. Réunion de l'aube mythique. Voilà, mais j'aurais bien juste aimé sortir. J'irai voir le mécène. Donc, ici. Pourquoi ça a te filé la gerbe? Qu'est-ce que t'as comme problème, toi, encore? Hop, là. Allez! Un. Allez! Le mécène veut ma mort. Bah, c'est lui qui est mort, donc... je m'en fous, je récupère ça. L'égout. Et je m'en vais. Oui, ma chatte! Ah, t'as des petits problèmes de avec la 3D, ouais, je te comprends. À moins que j'ai une échelle ici. Non, j'ai pas d'échelle ici. Casse-toi, le gobelin. Casse-toi, le gobelin. Ah. T'es mort. T'es mort. T'es mort. T'es mort. Voilà. Hop, allez, on ouvre la porte. Hop, ici donc je remonte. On se fait un petit payday après ou pas? Ah oui, complètement si tu veux.
D'accord, alors ici je suis bloqué parce que je n'ai pas pris les crochets du début. Comment t'es un boulet? Non mais en fait j'allais vite, j'ai pas pensé à prendre les crochets, donc en fait je suis bloqué. J'ai pas une ouverture de porte. Normalement j'ai un sort d'ouverture de porte. Putain sa mère. Je suis bloqué, tout ça parce que j'ai pas pris les crochets du début. Mais je suis con. Et en plus je peux même plus repartir. Parce que, ah si les égouts sont là. Voilà. Putain, ta mère toi. Ah je te jure, je vais tous les niquer là. En plus, le pire c'est qu'il n'y a pas d'autre sortie dans les égouts que cet endroit là. Donc ouais. En fait, tu te retrouves très con si t'as pas pris les putains de trucs au début. J'ai la clé des égouts, mais ça je m'en fous. Un crochet! Oh mon dieu, j'ai un crochet! T'es en train de perdre un temps incroyable sur ton speedrun là quand même. Hein. Non mais mec, là je devrais déjà être à la moitié du jeu, j'en suis à peine au début encore. Donc si tu veux au niveau du speedrun là, il faudrait juste que je pète pas mon crochet. Non parce que si je pète mon crochet on fait un payday quoi. Ah mais carrément oui. Wouhou, je l'ai pas pété. Je suis très très fort. Voilà, donc je peux sortir de la maison. C'est même conseillé que je sorte de la maison. Sit, stand up, kid guy, tech book, heads up. Ok, donc là je vais au palais. Tu veux pas répondre à Tigrou, toi? Je peux pas. Sur quoi? Sur Skype? Sur Skype, ouais. Bah, il a dit qu'il venait sur la chaîne apparemment. Donc... 7, donc ça me fait attendre 12 heures, 14 heures. Voilà, attendre. Parce qu'en plus de dire des gros... D'accord, non mais merde quoi, les gars, putain. Oh, c'est pas vrai, donc 12 heures, on 13 heures. Voilà. Oh putain, qu'ils sont cons, c'est pas vrai. Je me tape la visite de la meuf... de la guilde des voleurs, quoi. Ouais, normal. Non, encore une heure, bordel. Salut, Tigrou! Bonsoir. Voilà, alors, on va aller... c'est par où c'est? Donc, on va ici. Oui. C'est ça, hein? Blackwatch Stables. Oui, ok. Et donc nord-nord-ouest par là. Ah, t'es parti toi hein. Qui? Toi. Oui bah j'ai du BMOS en tête, j'y peux rien. Ouais bien sûr. Tu dis ça surtout parce que t'as envie de te taper maman, espèce de gros pervers de merde. J'aurais plus envie de me taper quelqu'un d'autre en ce moment, tu vois. C'est ce que je dis. C'est ma nouvelle belle maman. Oh. Et imagine qu'elle est sur le stream, hein? Hein? Non. On sait jamais. Laisse-moi un peu d'espoir. Laisse-moi un peu des poires. Pourquoi tu me laisses pas des poires? Parce que je préfère les pommes. Parce que an apple a day keeps the doctor away, c'est ce que maman m'a toujours appris et que ça faisait partir le docteur, hein. Vous voulez pas que je sois fan du docteur, hein, c'est ça, hein. Bande de petites salopes. Qu'est-ce que t'as foutu avec ton micro? T'as pété ton micro. Il a pété son micro. Wouhou. Voilà, parce que moi j'arrive à débrancher la prise jack de mon casque avec mes pieds. Et c'est ça. Regarde, hop, t'es mort. Non mais ça c'est juste parce que t'es un kikou ça. C'est ça, la vigilance de qui? J'ai pas entendu. C'est toi le live RAM? Non, le live RAM. C'est juste parce que j'ai une connexion internet qui est pas super top méga of the dead. Et que mon frère est en train de tout pomper via Skype.
et que moi je suis sur Skype en même temps, donc forcément ça n'arrange rien. Oui, c'est ça, pour le seigneur ta gueule, oui. Regarde, brûle. Voilà. Ah merde, fermé. Hop, où es-tu, corps? Putain, bordel, c'est lequel qui a la clé? Il y en a un qui a la clé, il me faut juste cette clé là, quoi, merde. Bah tiens, allez, on va level up. Oh, on va level up. Le mec qui tue une nana dans son sommeil, tu sais, genre, allez, moi j'ai envie de level up là. Allez, c'est parti. La nana, elle était endormie, j'arrive, je fais chplouch, allez hop, je level up. Mais non, toujours pas. Qui a la clé, putain? Ah, bordel de chiottes à couilles à pute de merde. Je peux même plus y retourner! Je crois que je me suis bloqué. T'es pas sérieuse? Bah si. En fait, j'ai oublié de prendre la clé. Pour moi, la clé, il n'y avait pas besoin de la clé. Ok. Voilà. Bon, heureusement que j'ai du skill en crochetage de porte. J'ai réussi à ouvrir la porte moyenne avec mon putain de... Tata yo-yo! T'es mort. Wow! Oula! T'es mort? What? Oh, j'ai pris un vieux dégât là. J'ai sauté comme un con. J'ai fait un méga saut pour tuer et cramer des gens d'un coup. Et en fait, je me suis retrouvé à prendre 90% de dégâts. Donc du coup, je souffre. Tu m'étonnes. Bah, je suis arrivé, j'ai sauté, j'ai cramé des gens, je suis arrivé à terre. Et là, j'ai vu mon personnage, mais voler d'un coup, tu sais. Genre, taillant ! Et puis, poumf, au sol, il a fait 3 rebonds. Et là, je me suis dit, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu meurs? T'es mort. Enfin, morte. Toi, t'es mort. Comment je monte là-haut déjà? Voilà. Toi, t'es morte. Laissez passer, j'ai une mission très importante, je dois tous vous tuer. Putain, toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé là? Où est-ce qu'ils sont? Toi, t'es mort. Où est-ce qu'il est, le vieux qui m'a poignardé, là? Il est où, ce putain de vieux? Reviens là, enflure de merde! Reviens là, que je te bute, sale fils de pute! Vas-y, l'enculé, il s'est barré! Et du coup, j'ai une musique de combat qui continue. Ce qui fait que je vais sûrement pas pouvoir m'enfuir. Luse. Vous ne pouvez pas sortir, la porte est condamnée. Merci, comment je fais? Bah tu cherches. Bah oui, sauf que la clé, elle est de l'autre côté, je crois. Mais t'es un boulet. Tiens, t'es là. T'es mort. Tu n'as pas la clé. Ah oui, je peux repartir par là, c'est vrai. Hop, dormir une heure. Dormir. L'air refroidi, une ombre s'approche. Oui. Alors, force, volonté, rapidité, quitter. Merci. Allez, monte-moi niveau 2. Oui, c'est ça, ne rien dire. J'aime bien faire ça. Niveau 2. Merci. Vers l'antichambre du sanctuaire. Ah, attends, tu veux dire que je dois... Ah oui, non. Hop, je dois partir par là, c'est vrai.
Hop, voilà. En fait, je me suis fait du souci pour rien parce que je dois aller dormir pour ensuite sortir. Et du coup, hop, zoop. Alors ici, je repars. Donc, au Cloud Rules Temple, temple du maître des nuages. Je dois te parler à Martin et après à Joffre. Ah oui, c'est vrai. Je dois parler à Martin et après à Joffre. Hop. Allez, 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 allez. J'ai enlevé 2-3 trucs de mon inventaire. La lame de malheur. Ah putain, c'est vrai, je peux pas l'enlever. Ah bordel de chiottes à couilles. Le nien de route, je peux l'enlever. Note à Gwynas, je t'enlève. Putain. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Dissipation 30%, absorption de santé. Fortification de santé 10% sur soi. Hop, ajouter objet, mon pantalon. Pantalon santé. Hop, effet appliqué. Hop, merci. Et grand pierre de Wellkind, j'en ai rien à foutre. Oh bordel. Tout ça c'est des putains de. Tout ça c'est des putains d'objets de quête, donc je peux pas les enlever. J'aime bien les gens, ils m'appellent monsieur, ils me connaissent à peine, tu sais. C'est ça, c'est genre t'arrives quelque part. Sans monsieur. Ça t'arrive, c'est là, c'est un plaisir de servir avec vous, monsieur. Mais je te connais pas! Espion. Je trouverai ces espions. Merci. T'inquiète le russe, je vais en niquer la gueule. Ok, oui, je me souviens à partir d'ici. Oh là là, je prends cher au niveau des chutes. Tu t'arrêtes de sauter dans tous les sens en même temps. Mais j'y peux rien. J'essaie d'aller vite pour regagner le temps que je perds, que j'ai perdu avec ces putains de portes. Hop, ici, j'attends une heure normalement, quelque chose comme ça. Où est-ce que vous êtes? Meurs, 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 meurs. Regarde comment je te tue. Regarde, t'es morte. Voilà. C'est ça, l'agent de l'homme mythique. Ah, clé du sous-sol, merci. Y a pas ton pote? Non, y a pas ton pote. Donc, hop, ici, je vais partir à la porte. Donc, c'est est. C'est ça. Porte est de Bruma. Voilà. Je fais toujours dans le civilisé, moi. Oh, regarde, je te nique ta gueule. Classe, civilisé. Ici, oui, c'est vrai, c'est par là. Voilà, je range mes mains. Je range mes mains. Attends, je peux pas te parler là, je range mes mains. Non, mais ta grand-mère. Sa grand-mère. C'est. C'est bien celle-là que je viens de tuer, c'est Jarl. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas ouvrir sa putain de maison? Je devrais pouvoir ouvrir sa maison avec ce putain de crochet. Ta grand-mère la pute. Oui Ben, oui, ça se mange sans faim. Je suis totalement d'accord. Je te jure, je vais niquer sa gueule à cette pute. Je l'ai déjà tué, mais je vais lui niquer sa gueule encore plus. Ah, aïe. Non, ça va, j'ai pas pris de dégâts sur celle-là. Oh, j'ai du bol. Tu es là. Oui, mais non, c'est pas... Mais je m'en fous, mais je veux Jarl. C'est Jarl que je dois tuer. Ouais, je vais récupérer le... Non, je veux pas de l'absinthe. Bon, bah, j'ai pris de l'absinthe quand même. Drogué. Je t'ai pas élevé comme ça, hein. T'es sûr? Oui. Non, parce que moi je me souviens très bien comment tu m'as élevé et... Enfin voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je m'en rappelle pas. Oui, voilà. Ned qui me dit qu'elle en est sûre aussi. J'ai envie de dire... Si elle savait ce que tu faisais hein, quand elle était pas là. Oh là là. Ça pourrait être tellement drôle. C'est pas lui qui t'a élevé, ni moi non plus. Justement!
Justement, vous êtes des parents indignes. Vous m'avez jamais élevé. Je suis trop triste, je suis trop émo. I wear eyeliner because I'm so sad. I wear eyeliner because I'm so sad. Ah mais c'est assez épique. D'ailleurs, t'as vu le 134, le 234? Je l'ai toujours pas fini, non. Il est énorme. Faudrait que je... Bah tu sais quoi, je vais me le faire, hein. Je vais lâcher ton streaming 2 secondes et puis... Bochamania 234, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Quoi? Chut, non mais... Quoi? Vous êtes pas vraiment vos parents? Vous êtes pas vraiment mes parents? Vous m'avez menti? Vous m'avez menti de ma vie? Je t'ai dit que c'était trop tôt pour lui dire, Nayette, hein. C'est ce que je faisais. Mais bordel, je vais m'ouvrir cette porte. Ouvre-moi la porte. Attends, Nayette, tu parles à qui? Je te laisse t'occuper de ça. Je... Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Nayette, dis-moi tout sur Skype. Putain, mais ouvre ta porte, toi, salope! Non, mais... Voilà, essaye de faire le tour de la maison, Morgane. Nayette, dis-moi... Oh, t'es génial, future épouse de moi. Ah oh, putain, j'ai encore mon caps lock. Mon caps lock. Sa grand-mère. Bon. Ouvre-moi cette putain de porte, bordel! Comment est-ce qu'il fait déjà? Normalement, Jerl, on l'a... Bah non, elle est dans sa maison. Mais alors, comment est-ce qu'il fait? Oh, et puis merde. Voilà, hein. Va chier. Je lâche l'affaire. C'est parti. Le speedrun ira se faire enculer. Bon, alors. Une maison, allez. Qu'est-ce que je veux? Je veux que tu me donnes tout ce que t'as dans ta baraque. Y'a rien. Y'a rien. Où est-ce que tu ranges tes crochets, salope? Donne-moi tes putains de crochets, bordel! Ah, mais merde! Depuis quand les gens ont plus de crochets là? Tout le monde devrait avoir au moins un crochet sur soi. Et moi j'ai pété le mien. Quand est-ce que j'ai pété le mien? J'ai pas pété mon crochet. Hop, non. Mais putain. Mais je m'en branle! Ah! Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans le jeu. Bon. Est-ce que je peux ouvrir la trappe? Non. Y'a rien. Je ne balance rien du tout, Nayette, j'assume. Écoute, t'assumes quoi? Qu'est-ce que t'assumes? Dis-moi, qu'est-ce que vous complotez dans mon dos? Mais on complote rien, je lui explique ce qui s'est passé avec Rocket la première fois qu'elle m'a vu, enfin la seule fois d'ailleurs où elle m'a vu sur Skype. Oh bah bien sûr, je m'en souviens, oui. Mais qu'est-ce que vous complotez dans mon dos?
Ah, Nayette, on est d'accord. Bonjour. Oh, ta mère. Au pire, pourquoi tu fais pas un petit unlock? J'ai pas les... Enfin, je pourrais utiliser la commande, hein, écoute. Va falloir juste que je retrouve la commande exacte. Bah, tu fais le petit 2 en dessous de la touche échappe, tu cliques sur la porte, tu tapes unlock, tu fais entrer, puis voilà. Line 1, function unlock requires a reference. Ok. Tu cliques sur la porte qui est en face de toi. Mais je peux pas cliquer dessus. Si. Ça m'aurait fait la même erreur. Clique sur la porte avec la souris. Oui, justement, non, si je... Tu ouvres la console, tu cliques sur la porte et tu fais unlock. Non, pareil, j'ai le même... Voilà. Ah, oh, c'est chiant, hein. Mais, bah, voilà. Tu où es-tu? Ah, oh, tiens. Voilà. Toi, t'es morte. Ça, clé de jarl, clé de sous-sol. Voilà. La meuf, elle a été tuée dans son sommeil, tu sais, genre monstre. Hop. Hop. Prendre. Je fais demi-tour. Est-ce que je vais être dans la merde à cause de ça? J'espère pas. Donc ici, il faut que je retrouve... Clavicus Vile, exact. C'est là que je vais donner Umbra. Non, pas celui-là. Alors, ici. Oui. Je sais plus ce qu'il faut apporter. Faut pas apporter quelque chose à Clavicus. J'en sais rien. Du lait pour renforcer les os. Va te faire enculer le jeu. Va te faire mettre. D'accord? Va. Je t'encule. Mais genre vraiment, je t'encule. Je vais me faire une clope. Voilà, allez, fuck it. J'ai balancé mes feuilles. Je veux. Juste aller vous faire mettre, quoi. Voilà, c'est juste ça. Hein, le jeu va aller se faire enculer quelques minutes. Ah oui, mais ça je sais qu'elle a dit que t'étais pas mal. Elle a même dit qu'elle aurait aimé te... Oui. Mais c'est Rocket, hein, tu sais. Si tu l'as laissé faire, c'est après tout le monde, hein. Non, mais ça m'étonne pas, c'est Nayette qui l'a élevé. Bah oui, voilà. Moi je m'occupe de toi, Nayette elle s'occupe de Rocket, forcément. Je suis pas épais. Mais quoi? Depuis quand? De quoi, depuis quand? Depuis quand? Voilà, hein, voilà. D'accord, alors. Ok, son Khajiit, où est-ce qu'il est? Khajiit. Ok. Il passe que normalement je sens, il me dit qu'il faut être niveau 20 pour pouvoir faire ce sanctuaire. Et en fait il y a un bug qui permet d'activer le sanctuaire grâce à un des disciples. Et
Et du coup, si tu veux, j'active le disciple, ça marche pas. Je fais d'accord. J'étais prêt à dire va te faire enculer. Puis là, à ce moment-là, ça me dit vous avez l'épée d'Umbra. Merci, je le sais, je suis allé la chercher au début du jeu, il y a une heure. Merci. Tu vois. Et juste après, la statue qui me parle toute seule. Genre, tu as mon épée, je te suis reconnaissant, est-ce que tu veux me la donner? Si tu regardes le jeu, genre. Sauter à tout va, non mais n'importe quoi. Quoi? Qui cherche à sauter qui? Moi, apparemment, je cherche à sauter à tout va selon Madame Naguette. Et si tu veux que je gère ma fille, t'inquiète pas, ça va être très très vite fait. Ok, où est-ce qu'il est, Joffre? Du coup, j'ai posé mes fiches. Cement, donc la planche, la casse. Où est-ce qu'il est, Joffre? Oh putain, vu l'heure qu'il est, il doit pioncer. Joffre? Joffre? Putain, mais il est où ce con? Oui, bah ça va, hein. Écoute. Prout. C'est vrai, là je suis d'accord avec lui, c'est de l'argument, c'est prout. Voilà. Allez tous mourir. Où est Joffre? Tu es là, vieux con. Voilà. Bordel. Voilà. C'est dingue comme les acteurs sont vachement convaincants. L'empereur est mort par notre faute, parce que nous sommes devenus suffisants et méprisants. Maintenant, nous allons bien protéger le nouvel empereur. Mec! What? Attends. Kikia. Quoi que Kikia? D'accord, ok. D'accord, ok le vieux, ok. Le vieux qui arrive devant moi, il fait « Nous vivons abrumés à une situation que nous ne pouvons surmonter. » Et il se casse. Ok, d'accord, mais what? Non mais j'ai bien aimé le coup de la discussion entre les deux PNJ, tu sais. Ils sont côte à côte en train de se parler et puis t'as le noir qui fait « L'empereur est mort par notre faute. Nous étions devenus suffisants et arrogants. Nous ne devons plus l'être. Nous allons bien protéger le nouvel empereur. » D'accord. Et il se casse. C'est quoi ces dialogues? C'est quoi ces dialogues, quoi? On se croirait dans, tu sais, les séries de filles, genre Lost Girl ou Once Upon a Time. Ouais, ouais, tout à fait. Tu avoues, hein, c'est vraiment ça, hein. Mm-hmm. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Oui, j'aurais préféré que le vieux arrive devant moi et fasse « Coucou, tu veux voir ma bite ?» Ça aurait été 20 fois plus drôle et ça, le dialogue aurait mieux servi. Allez hop, je dois aller aux écuries de Bruma, voilà.
Bird. Où est-ce qu'il est, Bird? Je ne sais plus ce que je dois faire, je ne sais plus où dois-je aller. Ah d'accord, alors il y a Nayet qui t'en gueule parce que les séries de filles apparemment c'est des séries qui sont excellentes sur le point de vue fantastique et tout le tralala. Oui en fait c'est pour ça, parce que Nayet est fan de Lost Girl et de Once Upon a Time. Alors moi j'aurais presque envie de dire... Et elle rajoute, et rien à voir avec de la série pour gonzesse de base en mode Gossip Girl. You mad bro? Non. Bah elle est mad. Oui totalement. Ce ne sont pas typiquement des séries de filles, zut. Je dois parler à qui? Ah oui, je dois parler à lui, c'est vrai. Oh putain. J'oublie des parties du jeu. Du genre j'essaye d'aller trop vite. Moi j'étais en train de chercher la porte, genre elle est où cette putain de porte, et en fait elle était pas là, il fallait que j'aille parler au vieux d'abord. Voilà, non elle est là la porte. Bird, où es-tu? C'est toi Bird? Bird, merci. Voilà, allons-y. Voilà, c'est ça. Tout à fait Ben, tout à fait. Vous êtes d'affreux insupportables tous les deux. Oui, on est des gros trolls, c'est ça qui est rigolo. Ouh, ça va piquer un peu ça, monsieur, hein. De quoi? Je suis en train de regarder le Botchamania 234 et t'as un mec qui fait un flip par-dessus la troisième corde, qui se rétame par terre, qui fait genre ouais, j'ai pas eu mal et tout. Je crois que je l'ai vu, ouais. Enfin, je crois que je m'en souviens surtout. Parce que je t'avoue que les Botchamania, ils sont sympas, mais c'est genre tu les regardes une fois, tu les as vus, quoi. Donc, ouais, voilà. Si tu veux... Allez, soigne-toi, soigne-toi. Merde! Non! 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 Que tu veux te pendre vite fait comme ça là? Moi oui je veux bien là. Bon bah stop. 1h16, c'est pas mal. C'est mon record personnel pour le moment.